Général, pour vous donner encore plus de plaisir, demande avant qu'il intervienne, il n'y a rien en face. Pour que nous vivions ensemble, il n'y a rien en face. Merci camarade. Camarade Simone Eyive Babo, deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien, grande militante. Professeur Georges Armand Wenyen, président de EDS, notre plateforme de combat pour la restauration d'une Côte d'Ivoire démocratique, solidaire et prospère. Monsieur Seribi, secrétaire exécutif, représentant le professeur Kakou Diekawé, président exécutif en chef du PDCI RDA. Camarades membres de la plateforme du PDCI RDA. Camarade Kone Boubacar, président du comité d'organisation de ce grand rassemblement, camarades membres de la direction du parti, camarades secrétaires nationaux des structures spécialisées et d'activité, camarade Kwasi Bertin, dynamique et vigilant secrétaire général de la puissante fédération du FPI de Yopougon, camarades secrétaires généraux des sections de Yopougon, camarades secrétaires généraux de fédération, mesdames et messieurs, camarades militants, camarades militantes, le président Laurent Gbagbo vous salue. Il vous salue parce qu'il suit cette grande manifestation. Les autres qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses. Ils ont déjà dit pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour réclamer ce retour. Mais avant d'aborder cet aspect, permettez-moi de souligner quelques faits. Ici même à Yopougon, en janvier 2012, après plusieurs mois d'insurrection d'une dictature implacable par ceux qui sont arrivés au pouvoir, vous militants de Yopougon et certains de vos camarades sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour se rassembler et pour réclamer à l'époque déjà la réconciliation nationale. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps.
Dès que vous êtes installé, les barbares, les vandales sont arrivés. Ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Et malheureusement, ils ont égorgé un de nos militants, un jeune originaire d'Adieké. Aujourd'hui, j'évoque son nom, je parle de lui, pas parce que nous allons nous venger, mais pour montrer qui sont ceux qui sont au pouvoir. C'était le camarade Abieni Brou Innocent, assassiné ici même, égorgé comme un mouton. Mais nous sommes à Yopougon. Je voudrais vous dire aussi Yako. Yako pour le jeune Annie qu'on a trouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. La mort de ce jeune, pour ne pas dire la mort de cet enfant, traduit le désespoir qui vous habite. La jeunesse ivoirienne ne sait plus à quel saint se vouer. Elle ne sait plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la jeunesse est libre à ce que les Européens appellent l'immigration clandestine. Et les gens meurent dans le désert. Ils meurent en Libye. On a interrogé un jeune de Trècheville sur les antennes de télévision française et il a dit ceci, parce que le journaliste lui demandait « Pourquoi tu as risqué ta vie en allant en Libye ?» Il a dit « Monsieur, tous les matins, quand je sors de la chambre, je vois ma mère pleurer. Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce que depuis des années, je suis un diplômé d'université, je ne travaille pas. Je préfère la mort. Je préfère la mort. Oui, aujourd'hui, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous risquez votre vie. Vous partez mourir dans le désert, le Sahara. Vous partez mourir en Libye. Vous partez mourir dans la Méditerranée, qui est devenue aujourd'hui le grand cimetière des Négros africains. Je voudrais aussi évoquer, parce que vous nous voyez tous aujourd'hui les militants du FPI en blanc. Mais pourquoi nous sommes en blanc? Nous sommes en blanc pour la paix. Nous sommes en blanc pour conjurer le mal. Nous sommes en blanc pour repousser la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Nous sommes en blanc pour dire que le 5 et le 6 et le 7 février, Laurent Gbagbo doit être libéré et être ici en commun. Oui, nous sommes là pour réclamer le retour de Laurent Gbagbo. Mais je voudrais, avant d'entamer ce chapitre, évoquer avec votre permission les souffrances que nous endurons dans ce pays. Oui, depuis que le régime Ouattara est là, la démocratie recule dans notre pays. Vous avez vu sous les tentes les représentants des partis politiques. Tous les partis politiques sont aujourd'hui traversés par la division. Mais qui fait la division? C'est Ouattara. Il divise le PDCI, il divise le MFA, il divise le PIT, comme il avait tenté de diviser le FPI. Mais peine perdue. Nous assistons également à l'instauration de la pensée unique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous perdez votre emploi.
vous n'accédez à aucun poste. On appelle cela la dictature. Mais également, sur le plan politique, vous avez des députés qui sont arrêtés, jetés en prison, sans que leur immunité parlementaire soit levée. Et quand vous protestez, vous savez ce qu'ils disent? Retenez bien leurs phrases, parce qu'ils vous répéteront ça tous les jours. Il y a la loi, et puis il y a notre décision. C'est ce qu'on appelle le despotisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. C'est celui qui décide. C'est eux qui décident ce que doit être la Côte d'Ivoire. Il s'élève, il dit tout à l'heure, le professeur Monnier l'a dit, pour être candidat aux élections présidentielles, je vais réclamer 200 millions. Pour être candidat aux législatives, je vais réclamer un parrainage. Non, la Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire n'est pas une royauté. Sur le plan économique, je ne vous apprends rien que c'est le désastre total. Ils nous endettent, ils nous endettent. Et nous pensons que ils endettent parce qu'ils veulent développer la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ça leur objectif. L'objectif, c'est simple. Leur maître pour dominer nos pays ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours, ils veulent nous endetter. Ils s'entendent avec eux, ils leur donnent l'argent, ils retournent une partie dans les paradis fiscaux et nous, notre pays est endetté pour des siècles et des siècles et nous devrons rembourser. Alors ils ont des fonds, et des fonds spéciaux que les spécialistes appellent les fonds vautours. Comme les vautours de charognard, ils passent de pays à pays, ils passent de contrée en contrée pour prendre l'argent des paysans, pour prendre l'argent des travailleurs, pour que demain vous soyez à jamais ligotés, à jamais liés, et on ne pourra jamais prendre notre indépendance. C'est pourquoi nous disons non. Sur le plan social, je ne vais pas m'étendre, mes devanciers l'ont dit, l'école n'existe plus. La santé, c'est fini. Mais sur la santé, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que voici des gens. Pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré l'embargo total sur les médicaments. C'est-à-dire pour pouvoir faire tomber Babo Laurent, un individu, ils ont décidé que tous les Ivoiriens malades doivent mourir. On n'a jamais fait le bilan, hein? On n'a jamais fait le bilan. Combien de nos compatriotes, insuffisants rénaux, malades, des diabétiques, des tuberculeux, des cardiaques, combien qui sont morts, personne n'a fait encore le bilan. Mais le bilan sera fait un jour. Alors vous voyez, la santé ne les intéresse pas. Un jour, Babo Laurent dit, il arrive au pouvoir, je vais faire l'assurance maladie universelle. Ils ont entendu le mot. Donc ils disent, nous aussi on va faire l'assurance maladie universelle. Mais non. Ça me permet de vous dire un compte africain, un compte de chez nous ici. Vous connaissez tous que dans nos comptes, ce petit animal, pour ne pas dire insecte, l'araignée, que les agnis, les bambouis appellent Kwaku Ananze ou Ekenaba, que les bétés appellent Zakron. Il se croit très malin et un jour, il va dans la forêt vierge, il voit un génie. Ce génie-là, il y avait la disette. Il fait
il prend les branches des palmiers, il traite quelque chose, il monte dessus, il chante et il s'envole, il s'en va chercher à manger, après il revient. Anasi a entendu. Mais ce qu'Anasi ne sait pas, c'est que la chanson qu'il a entendue, c'est pour s'envoler, mais ce n'est pas pour descendre. Ce n'est pas pour descendre. Donc, il fait la même chose, il s'envole, il n'arrive plus à descendre. Il est resté en haut. C'est le cas de la mue. Ils ont entendu parler de l'assurance maladie universelle de Babo, mais ils ne savent pas ce que Babo allait faire. Ils disent qu'ils ont commencé et ils ne peuvent rien faire. Les malades ne sont pas soignés, les pharmaciens ne veulent pas faire. Alors, vous voyez. Mais ce qui est grave pour nous, c'est que depuis qu'ils sont arrivés, sur le plan culturel, c'est-à-dire sur le plan de la pensée, du comportement des Ivoiriens, ce que nous considérons comme bien, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire nos valeurs, ils les ont remplacées par des contre-valeurs. Et vous les connaissez? Voilà. Pour eux aujourd'hui, tuer quelqu'un, ce n'est rien. C'est le mépris total de la vie humaine. La corruption, c'est normal. Et les phrases, je vous dis, retenez cela. Ils disent que le mouton broute là où il est attaché. Donc, si tu es dans un bureau, le jeune homme qui vient, qui cherche du travail, il faut parler français. S'il ne parle pas français, tu ne le comprends pas, il s'en va. Un jour, un jeune vient me dire, il est parti pour faire signer un papier. Celui qui doit signer, il dit, ah mon petit, mon acte est fini. Je n'ai plus de bic. Il dit, ah tonton, voilà un bic. Il dit, je t'ai dit qu'il n'y a plus d'acte là-dedans. Hein? Il dit, bon, combien pour qu'il y ait de l'encre? Il dit 5000 francs. Voilà. Parce que c'est ça, la nouvelle valeur. La même chose, l'attribution des marchés publics. L'attribution. Ça se fait gré à gré. Si tu ne les connais pas, tu n'auras rien. Les PME sont en faillite. Là aussi, le rattrapage est une ligne impassée. Alors, comme vous voyez, oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est un régime qui doit partir. C'est un régime qui doit partir. Le professeur Wanyen l'a dit ici. Aux prochaines élections, nous devrons leur dire, M. Ouattara, RHDP, merci, au revoir. Mais nous sommes là pour parler de la libération de Laurent Gbagbo, de son arrivée ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez, mais je vais faire un petit détour. Ils ont voulu le tuer, le briser. Ils ont bombardé sa résidence. Et qui, pour la circonstance, ils ont dit, ils appellent ça bunker. Ce n'est pas bunker. C'est une maison, l'ancienne maison du président Houphouët-Boigny, que le président Bédier avait reconstruit. Ce n'est pas un bunker, mais pour le tuer, il dit c'est un bunker. Ils ont bombardé. Son épouse, Simone, qui est là, était à côté. Ses enfants étaient à côté. Abdramane Sangaré était à côté. La maman de Sangaré était là. Des jeunes étaient à côté. Ils ont bombardé. Ils ont expérimenté même des bombes nouvelles. Et Gbagbo n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il sort de là. On l'amène au golf. Et au golf, certains disent, les militaires qui ont eu pitié pour l'amener, il a dit, mais pourquoi vous l'avez pas tué? Vous n'avez pas dit de l'amener ici?
mais ils ne l'ont pas tué. On le met à Korogo. Bon, je vous disais l'autre jour, on a passé PM, ce qu'il a enduré à Korogo. Après, on dit, bon, ici, là, on ne peut pas le juger. Il faut le confier aux Blancs. Eux, ils vont le juger, ils vont lui donner au moins 30 ans de prison. Et il ne viendra plus ici. Alors, ils sont allés sélectionner les témoins. Ce n'est pas tout le monde, ils ont pris, ils ont sélectionné. C'est-à-dire, si toi tu vas, dès que tu vas parler, il est foutu, il restera là, là-bas en même temps. Blé Goudet, à lui, ce n'est même pas la peine. Ils ne viendront plus ici. 82 personnes. Ils sont partis. Et puis voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont retournés contre ceux qui les ont envoyés. Pour dire que vous mentez. Babo n'a rien fait. Babo n'a rien fait. Même les femmes qui ont été ressuscitées, c'est la première fois qu'on voit ça depuis Jésus-Christ, que quelqu'un m'ait pu ressusciter. Et ils sont plus forts, ils ressuscitent même sur place. On dit que Babo n'a rien fait. On envoie du sang pour examiner dans les meilleurs laboratoires qui puissent exister dans le monde. Et les biologistes les répondent. Mais on ne sait pas chez vous si les hommes et les moutons ont même ça. Parce que le sang qu'on a examiné, ce n'est pas le sang d'être humain. Oh, one, oh, one, oh, one, oh, one. Mais ce n'est pas fini, c'est pas fini. Et ils ont dit qu'on a tué des femmes. Ils sont allés montrer les tombes. On ouvre les tombes, on prend les os. Et puis le blanc dit, ah, ben en Côte d'Ivoire, il y a des miracles. Hein? Parce que les os là, ce sont les os d'hommes, ce n'est pas l'homme des femmes. Donc vous voyez, ils ont fait tout cela. Le juge était fatigué. Il était fatigué des mensonges. Il dit, monsieur, arrêtez. Le monsieur là, il n'a rien fait. Blé Goudet, il n'a rien fait. Vous êtes libre, vous êtes innocenté. Allez chez vous. Alors, ce qu'on n'a jamais vu, on va voir. Madame Fatou Ben Soudan intervient et il demande à ce que Babo Laurent et Charles Blé Goudet soient bloqués dans la salle d'audience du matin jusqu'au soir en attendant qu'ils déposent sa requête pour dire qu'il ne faut pas qu'on les fasse sortir. Et il faut les mettre sous condition. C'est ce qui a été fait. Mais votre combat a continué. Le combat de la diaspora ivoirienne a continué. Le combat des patriotes africains a continué. Jusqu'à ce que les avocats du président Babo, sur l'instruction du président Babo lui-même, rédigent une requête pour dire, c'est la première fois qu'on voit qu'un innocent, qui n'a rien fait, on le maintient, c'est contre le droit humain. Laissez le monsieur aller chez lui. Levez toutes les restrictions. C'est cette requête qui doit être examinée le 6 et le 7. Alors, vous savez ce qui va se passer? Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Contre-attaque. Et il demande, écoutez bien, hein,
Ce monsieur Babo Laurent, il ne doit plus voir la terre de Côte d'Ivoire. Il ne doit plus voir la terre de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est pourquoi nous sommes là. Babo doit venir ici. Babo doit venir dans le pays de ses ancêtres. Le 6, les avocats de Côte d'Ivoire, la CPI dit, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'il pense réellement. C'est pourquoi quelqu'un a dit tout à l'heure, le 6, soyez devant vos télévisions, regroupez-vous, écoutez, et nous espérons qu'ils vont bien parler. Parce que Babo a montré que c'est l'homme qui peut réconcilier les Ivoiriens. D'abord en tant que militant politique, dans la clandestinité, ensuite dans la légalité, il n'a jamais prôné la violence. C'est eux qui ont envoyé la violence en 1991. C'est chez vous ici, à Yopougon, qu'ils sont allés attaquer la cité universitaire. Violer les filles. Tout détruire. Certains jeunes avaient disparu. Et le Front populaire ivoirien, les organisations démocratiques avaient réclamé la justice. Le président Fonguani avait formé une commission pour tout, pour dire la vérité. Quand il a vu, il a vu que son gouvernement était fautif. Mais comme toujours, il a dit, je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi-même. Et c'est ce qui a mené la manifestation de février 1992. Le président actuel, il était le premier ministre d'alors. Alors que la tête de la délégation était au niveau du château d'eau du camp Gallieni, on cassait les banques à la rue des banques. On détruisait tout. Et il a mis ça sur le compte de Laurent Babo et ses camarades. Le même Babo sort des prisons. Il continue sa lutte pacifique pour l'évolution démocratique de la Côte d'Ivoire. Il arrive au pouvoir. Les mêmes prennent les armes. Il les invite en 2001. Au forum de la réconciliation, allez, disons, on peut s'entendre. Ils étaient en exil. C'est lui qui les a fait venir pour qu'ils participent à ce forum. Après, ils ont déclenché la rébellion. C'est pas moi qui le dis, c'est Soro qui l'a dit il y a 2 semaines. C'est Soro qui l'a dit. Malgré tout cela, Babo les a reçus dans toutes les capitales africaines. Il est parti en Afrique du Sud. Il s'est appuyé sur l'article 48 de notre constitution pour qu'il puisse être candidat. Donc voilà quelqu'un dans l'opposition. Au moment de l'exercice du pouvoir, c'est montré toujours qu'un homme de dialogue. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous savez ce qu'ils nous disent quand on leur dit de venir s'asseoir, on va discuter. Bon. Ils leur disent, on va vous broyer. On va vous égorger et puis il n'y aura rien. Oui. Donc le président Laurent Babo a continué sa lutte. Une lutte d'évolution pacifique de la situation politique en Côte d'Ivoire. Pour qu'on ait un État démocratique, un État laïque, un État solidaire, un État où on ne fait pas la différence entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes, parce que vous êtes de telle ethnie, parce que vous êtes de telle religion, mais où le seul critère valable soit le critère des compétences qui fait évoluer les gens.
pour que nous bénissions bien. Alors, camarades militants, militantes, peuple de Côte d'Ivoire, patriotes africains, la semaine qui va commencer, pour ne pas dire le 6 et le 7, sont des jours essentiels pour nos peuples. Tenons-nous prêts, écoutons ce qu'ils vont dire pour que nous nous levions. Parce que personne ne viendra lutter pour nous. Personne. C'est nous qui devons libérer notre pays. C'est nous qui devons ramener Babo Lorraine ici. Alors on vous fait confiance, on compte sur vous pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que Laurent Gbagbo retrouve sa famille, retrouve ses partisans. Je vous remercie. Merci, merci, pour ce message très instructif que tu viens de créer au peuple de Côte d'Ivoire. Je signale que le secrétaire général a été accompagné ici par son épouse, Catherine Assoa Adou, que je demande d'applaudir très fort. Une dame discrète mais très efficace qui soutient son mari dans ce combat. Camarades militantes, camarades militants, c'est ici que s'achève le rendez-vous d'aujourd'hui avec l'espoir de nous retrouver prochainement à l'occasion d'un autre mot d'ordre du parti qui ne va pas tarder. Restons mobilisés et restons soudés pour libérer la Côte d'Ivoire du joug de l'impérialisme. Je rappelle que le procès sera diffusé en direct au baron de Yopougon et vous êtes priés de suivre ce procès et après nous nous retrouverons. Merci, que Dieu vous accompagne. Pour la maintenir, Nous saluons tous les Ivoiriens qui ont effectué le déplacement. La fédération de Sikensi, la fédération d'Adjamé avec Azadia à la tête, la fédération du plateau. La fédération des Sangons, merci beaucoup. Kirao, Kirao, microphone. César et tout, Franck Anderson Poissy. Franck Anderson Poissy, César et tout. Donc Stéphane, Kirao, Kirao, rassuré, animation. Merci beaucoup à tous les humains. Oh!